David a passé avec vous comme tous les derniers samedis du mois et bien sûr tous les lundis de 23h je suis avec vous et nous sommes le samedi, voilà, et David a passé avec vous, j'espère que vous allez bien avec cette chaleur. Vous savez, la plupart des gens ne supportent pas la chaleur, mais par contre, ils aiment beaucoup quand il fait frais, mais c'est vrai que c'est chaud maintenant, quand c'est chaud, c'est chaud. L'homme aussi, ça sera bien d'être chaud toujours. Soi-disant, chaud et la chaleur, c'est bien, c'est bien, c'est quelque chose. Mes amis, et nous sommes là, ici et maintenant. Et voilà, on devait fêter, on a fêté bien sûr, 37e anniversaire de la radio ici maintenant. Que je veux tout d'abord féliciter mon ami de, je voulais dire 30 ans, vous savez, c'est 35 ans, voilà, de mon ami de 35 ans, Didier Deplège, président de cette radio, président fondateur de cette radio ici maintenant, et à vous toutes et tous. Je sais que vous êtes très très nombreux d'être avec nous depuis plusieurs années. Et c'est vrai que peut-être vous ne m'appelez pas tous les jours, même peut-être vous êtes parmi les gens que vous n'avez jamais appelé à votre radio ici maintenant pour vous exprimer, pour parler de quelque chose. Mais pour la plupart des fois, j'ai rencontré les gens. J'aperçus qu'ils étaient notre auditeur depuis des années sans aucun appel de leur part. Et ça, c'est pas grave, parce que oser, c'est très important, oser parler. Et je sais que même vous aviez beaucoup de choses à dire, mais vous n'avez pas osé parler. Mais ça, par contre, aujourd'hui, ici et maintenant, comme toujours, vous pouvez oser parlez, mes chers amis, et on va vous écouter, bien sûr, sans aucun problème. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Pour l'instant, ça passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2.
Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abassi, écrivain, historien, est avec vous tous les derniers samedis de chaque mois de 23h. Son site internet, davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors ce samedi, comme vous le savez, il y avait beaucoup de manifestations, meetings et de réunions à Paris, n'est-ce pas? Gay Pride déjà, et après sur le climat, Arnold Schwarzenegger avec une grande partie des dirigeants du monde de plusieurs tailles était à Paris, et également pour le Jeu Olympique, il y avait des festivités à Paris. Avec cette chaleur, on a pu bien profiter de tout ce qui est passé là. Alors parmi les histoires de manifestations d'aujourd'hui, le plus important peut-être sujet, c'était la GPA. La GPA, comme vous savez, au moment des élections présidentielles, chaque candidat avait des visions différentes. Macron, la vision de Macron, c'était d'accepter les enfants nés à l'étranger, de mères porteurs. Et de l'autre côté, Fillon et Benoît Hamon étaient pour interdiction mondiale de GPA, et Mélenchon comme si comme ça, et Le Pen aussi pour interdiction en France, parce qu'il parlait de la France, mais François Fillon et Benoît Hamon, ils parlaient d'une interdiction, abolition de cette décision dans le monde entier. Alors aujourd'hui, ça aussi c'était le sujet, vous pouvez en parler si vous voulez, si vous avez des idées à nous donner. Alors il y avait d'autres réunions aussi, par exemple il y avait un grand rassemblement de l'Académie Arts, Sciences et Lettres à l'hôtel Intercontinental, hôtel très très prestigieux et ancien, juste à côté de l'Opéra. Alors là moi j'étais présent là-bas, voilà. Je n'étais pas ailleurs, j'étais là-bas puisque je suis membre de cette académie. Et surtout, là, disons, il y avait environ 1500 artistes internationaux.
avec beaucoup de personnalités internationales qui étaient présentes. Quelques personnalités étaient décorées, médaillées là-bas. David Abassi était là-bas, on a eu. Vice-président, M. Jean-Paul de Bernis, il a ouvert la séance, on peut dire, et il a parlé. Alors, juste au départ, quelques mots qui a lancé, qui nous intéresse, qui vous intéresse peut-être, je vais le diffuser, après on va continuer notre émission ensemble. Je veux bien vous faire une déclaration, même beaucoup plus longue si vous le souhaitez. Là, je suis en train de finir d'accueillir les ambassadeurs qui arrivent. J'ai les chaînes de radio qui sont toutes là. Donc, je voudrais consacrer une exclusive pour votre radio et votre télévision. Donc, vous savez ô combien je suis si proche par le cœur. Et quand on me parle de David Abassi, c'est l'Iran, mais c'est l'Iran d'hier, hélas. Et l'Iran d'aujourd'hui, je ne me permettrai pas de cette politique en cette période. Mais gageons qu'à l'avenir, nous aurons toujours le plaisir de nous retrouver dans ce beau et pays si attachant. Merci une nouvelle fois, Monsieur le délégué international David Abassi, d'avoir bien voulu nous honorer de votre présence. Vous savez combien j'ai de l'estime et de la considération pour vous. Rassurez-vous, j'aurai encore un petit message à faire passer pour l'ensemble de vos compatriotes et plus particulièrement ceux qui sont sur le territoire français, qui ont beaucoup souffert de l'exode et qui, grâce à vous, eh bien, ont retrouvé en quelque sorte une famille. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. Voilà, ça c'était Président Jean-Paul de Bernis, que je le remercie beaucoup de ceux qui l'ont pour nous toutes et tous. N'oubliez pas que dès que vous décidez à parler, vous désirez de nous dire quelque chose, vous avez la parole, mes chers amis, et on est là pour vous écouter sur plusieurs sujets, et qui, comme vous pouvez constater, les sujets sont aussi sont très très nombreux actuellement. Les sujets, vous pouvez même choisir, si les sujets que nous abordons, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez choisir les sujets. Alors, mon deuxième invité de ce soir, comme vous pouvez constater, on va dire que celle de M. Jean-Paul de Bernis, c'était très très court. Deuxième aussi, ça ne va pas être très très long, c'est quelques minutes. Et tout de suite, vous avez la parole et vous pouvez commencer à parler, à vous exprimer et vous nous donner vos idées. Alors, vous connaissez bien toutes et tous M. Paul Quillès, l'ancien ministre de la Défense de François Mitterrand. Et vous savez qu'il était député à Paris 13e également, ministre de l'Intérieur aussi. Et c'est 11 juin 1971, avec Paul Quillès, parmi les camarades qui étaient à côté de François Mitterrand, c'était Paul Quillès aussi, qui ont fondé le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste a été créé le 11 juin 1971, et exactement après 36 ans, ça je vous ai déjà dit, juste après 36 ans, c'est-à-dire le 11 juin 2017, Parti Socialiste se fonde et c'est terminé, presque terminé, c'est-à-dire deuxième puissance politique française, qui pour la plupart des fois c'était première, surtout Mitterrand, président Mitterrand, il a pu devenir deux fois président de la République, deux fois 7 ans, il était un président très 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 fort pour la France, qu'il a beaucoup fait dans le domaine international aussi. Quand vous connaissez Mitterrand, quand vous connaissez son histoire, quand vous connaissez l'histoire de la France, vous pouvez savoir que lui, il était la cause de plusieurs paix et changements des régimes dictateurs dans le monde. Prenez de Chili et de Pologne, Lech Walesa, et Afrique du Sud, Nelson Mandela, et même Mario Soares.
Mario Soares en Portugal, et même la paix au moment que deux ennemis ont serré la main, Arafat avec Rabin, tout ça, le premier moteur de cet acte, de tous ces actes historiques, c'était François Mitterrand. Peut-être pour la plupart de vous, vous ne savez pas, mais le moteur de ces changements internationaux, c'était toujours François Mitterrand. Alors, M. Paul Quillès était à côté de lui, même le jour qu'ils vont fonder le Parti Socialiste, le 11 juin 1971. Et imaginez-vous qu'actuellement, aussi, Paul Quillès, ce n'est pas un retraité qui ne fait rien. Dans le domaine national et international, il est très actif, mais on n'en parle pas. Il ne fait pas de propagande. Par exemple, Mme Laurence Paris, le nouveau ministre de la Défense, a commencé sa carrière par Paul Quillès, et c'est Paul Quillès qui l'avait invité à collaborer avec lui quand il était ministre de la Défense, c'est-à-dire un collaborateuriste, voilà, c'est une femme de Paul Quillès, ministre de la Défense. Après quelques années, il devient ministre de la Défense. Cette dame a commencé à travailler dans la Défense à côté de Paul Quillès. Voilà. Et le soir même qu'elle était nommée comme ministre de la Défense, j'étais avec Paul Quillès. Et c'est pour ça, on va parler 9 minutes avec lui. Et même sur Madame Laurence Paris. Mais autre chose qui est très important que vous ne savez pas, Paul Quillès préside plusieurs fondations, clubs, association, on peut dire. Parmi, il y en a un qui est très important, que même si vous avez des informations, même si vous désirez, le sujet il est très intéressant, on peut parler ensemble ce soir, c'est l'initiative pour le désarmement nucléaire. Arrêter la bombe, c'était un des livres écrits par Paul Quillès, après mon association qui s'était fondée à ce nom-là, Arrêter la bombe. Mais depuis quelque temps, cette association a changé de nom. Le nom, c'est IDN, Initiative pour le désarmement nucléaire. Et lui, il préside cet mouvement international. Et la plus grande personnalité politique national, international, sont membres de ce mouvement. Hervé Maron, ancien ministre de la Défense, Michel Rocard, qui n'est plus parmi nous, c'est l'ancien premier ministre, et plusieurs d'autres grandes personnalités, nationales et internationales, prenez de Mikhail Gorbatchev jusqu'à des présidents de d'autres pays, qui sont dans ce mouvement, l'association, et ça c'est pourquoi. Ce n'est pas pour arrêter la bombe chez le petit pays qu'on est en train de faire de propagande tous les jours. Arrêter la bombe, désarmement nucléaire des grandes puissances mondiales, surtout les 5 puissances mondiales. Et Paul Quillès, il insiste, l'Amérique, les États-Unis et la France, et voilà d'autres grandes puissances internationales. Et lui, si on demande de Corée du Nord d'arrêter ses ambitions nucléaires, avant tout, nous devons être exemplaires. Nous devons arrêter ça. Mais il ramène des exemples en disant que même président Hollande, il a dit, nous devons garder notre force nucléaire pour ne pas être menacés. Et même il cite Paul Quillès, les propos de Reagan du Parti républicain, l'ancien président des États-Unis, qui disait, si on va être obligé, on va utiliser notre nucléaire, si on est menacé. Même
C'est le président Trump qui l'a dit. Si on a le bombe, on ne l'utilise pas. Oh là là, à quoi ça sert? Mais c'est vrai que mais lui, il change d'avis de temps en temps, c'est autre chose. Mais le but d'arrêter la bombe de Paul Kiles et de cette fondation indienne qui est mondialement reconnue avec plusieurs grandes personnalités, vous pouvez aller sur leur site. Consulter le site, il vous donne beaucoup d'informations, c'est d'arrêter la bombe, désarmement atomique des grandes puissances mondiales. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi. Tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Voilà, tout de suite, je vais vous inviter d'écouter notre entretien avec M. Paul Kiles, mes chers amis. Et voilà, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM. Bonsoir, M. Paul Kiles. Bonsoir. Comment allez-vous? Chaudement. Initiative pour désarmement nucléaire. C'est votre association que vous présidez. Alors, une association internationale, vous avez des personnes de qualité comme vous dans cette association. Arrêtez la bombe, ancien. Alors, je veux savoir, vous avez fait avec une lettre au président Macron également. Avant tout, je vais vous demander si vous avez répondu ou non. Non, le président n'a pas répondu. Et mon inquiétude que j'ai exprimée dans un papier qui vient d'être publié, c'est qu'il cède à tous les conseillers qui sont prisonniers de ce que j'appelle des concepts anciens, des concepts de l'ancien monde, des concepts de la guerre froide. Et la dissuasion est un de ces concepts. À l'époque, entre les États-Unis et l'Union soviétique, on se menaçait. Et on se menaçait de destruction. Et depuis 1945 jusqu'à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire 1990, chacun voulait faire plus que l'autre. Des missiles qui tiraient plus loin, des charges de plus en plus puissantes, des systèmes de plus en plus sophistiqués, des sous-marins, des missiles intercontinentaux, des avions. Et ça a conduit le monde, et notamment les deux superpuissances, à passer de trois armes nucléaires en 1945, donc deux utilisées sur le Japon, à 70 000 armes en 1990. Il y a eu depuis toute une série de mesures qui ont été prises, de traités bilatéraux, pour réduire dans tous les pays, y compris la France. Il y avait à peu près 500 armes à l'époque, et qui est maintenant à peu près au niveau de 300. Mais on est au niveau mondial à environ 15 500 armes, c'est-à-dire de quoi faire exploser plusieurs fois la planète. Avec un concept d'utilisation, non, on dit non-utilisation, on dit c'est une arme qu'on a mais qu'on ne va pas utiliser. Mais on ne va pas l'utiliser, mais on veut toujours faire plus que le voisin. Donc on est dans un concept qui est critiqué par beaucoup de personnes dans le monde entier, que ce soit Mikhail Gorbatchev, que ce soit William Perry, Bill Perry, que ce soit Kissinger, que ce soit des centaines de chefs d'anciens chefs d'État, d'anciens ministres de la Défense, comme moi, comme Hervé Morin en France, d'anciens premiers ministres, comme un peu partout, y compris aux États-Unis, en Russie, en Turquie, partout, de gens qui disent il faut arrêter. Et alors il s'est produit un phénomène depuis le mois de décembre, c'est le résultat de mesures qui ont été discutées depuis des années, mais dont personne ne parlait, qui est
consiste à préparer un traité d'interdiction d'armes nucléaires. Alors évidemment, les gens qui se présentent intelligents disent que c'est pas possible. Sauf qu'on l'a fait pour l'armement biologique, sauf qu'on l'a fait pour l'armement chimique, sauf qu'on l'a fait pour les sous-munitions, sauf qu'on l'a fait pour les mines antipersonnelles. On a rédigé des traités qui rendent ces armes illégales. Et les pays doivent ratifier cette convention, et ensuite il y a un organisme qui contrôle la vérification. Et si les pays ne suivent pas les préceptes de cette convention, il y a des sanctions. Par exemple, ce qui s'est passé dans la Syrie avec l'armement chimique. La Syrie a été obligée de signer cet accord sous peine d'avoir d'autres bombardements. Il n'en demeure pas moins que depuis la fin de l'année 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté à la majorité. À la majorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer par le Conseil de sécurité, dans lequel il y a le droit de veto des cinq grandes puissances nucléaires qui peuvent bloquer tout projet. Là, il faut avoir la majorité à l'Assemblée générale en 89. Et là, il y a 132 pays qui ont voté le principe de l'interdiction de l'armement nucléaire. C'est une grande nouvelle dont malheureusement, dans un pays comme la France, on ne parle pas beaucoup. Parce que les journalistes n'en parlent pas, parce que les politiques s'en moquent, parce que le président de la République ne dit rien. Sauf que le précédent avait dit quelque chose. Ouais. Il m'avait écrit. Hollande. Je ne sais pas. Mais enfin, l'ancien président. Il avait beaucoup d'espoir. Il m'avait écrit en disant que on faisait des efforts, mais de mauvais arguments. La première session de rédaction de ce traité s'est passée à partir de la mi-mars, il y a quelques mois. La deuxième session vient de commencer le 15 juin et elle se termine le 7 juillet. Donc il y a 100, 120, 130 pays qui sont à l'ONU tous les jours, qui travaillent en session avec des ONG, des organisations. Et ils sont en train de rédiger dans le détail ce projet qui doit être terminé le 7 juillet et qui ensuite, s'il est accepté, ce qui est vraisemblable, sera présenté à l'Assemblée générale de l'ONU au mois de septembre-octobre. Et l'Assemblée générale de l'ONU votera ce texte, je l'espère. Et à ce moment-là, non, elle votera la majorité, sans les Américains, sans les Russes, sans les Français. Mais il y a des pays comme le Brésil, l'Indonésie, la Suisse, l'Autriche, Costa Rica, des tas de pays qui voteront, qui seront majoritaires et qui feront que ce texte sera alors voté par l'ONU. Il ira dans tous les pays, y compris les pays dits du club nucléaire, pour dire alors qu'est-ce que vous faites ? Et on devra discuter à l'Assemblée nationale française et pas simplement dans le cabinet du président de la République avec les militaires qui le conseillent, on aura à discuter, faut-il, ne faut-il pas? Et si la France dit ne faut pas, là on va s'expliquer. Donc, quand on entend des arguments comme celui de la représentante de la France qui avait dit il y a quelques mois qu'un monde sans armes nucléaires ne serait pas obligatoirement un monde plus sûr, on croit rêver, on se passe. Ça veut dire qu'il faut de l'armement nucléaire pour que le monde soit sûr. Imaginez-vous que ce que avait dit le président Hollande, ce que risque de dire le président Macron, j'espère qu'il ne le dira pas, à savoir qu'on a besoin du nucléaire pour assurer notre sécurité contre tous les dangers, c'est le même discours que celui que tient le Premier ministre nord-coréen, qui dit on a besoin d'armement nucléaire pour se protéger des Américains. Donc on ne peut pas dire, quand on est français, quand on est américain, on a besoin de cette arme pour me protéger, et on interdit aux autres pays, à combien 150 pays d'avoir l'arme nucléaire, parce que c'est ça le traité de non-prolifération de TNP. Donc il y a une immense hypocrisie. Donc moi je dénonce cette hypocrisie, je dénonce aussi le rôle du lobby militaro-industriel que dénonçait le président Eisenhower quand il a quitté la Maison Blanche, et pas n'importe qui, le président Eisenhower. Voilà, et moi je vais publier, on va publier une nouvelle version de Arrêter le bon, ce qu'on a fait il y a 3 ans. On va publier ce livre en revue, on va publier un certain nombre de documents, on va publier toute une série de citations, qui sont des citations de personnalités importantes, une cinquantaine, qui montrent le danger de l'arme nucléaire et le danger qui est complètement ignoré. Parce que les pouvoirs publics n'en parlent pas, parce que les parlementaires n'en parlent pas, parce que les journalistes ne sont pas au courant. Mais ils vont commencer à être au courant et je m'en occupe. Monsieur Paul Kiles, alors, les problèmes officiels, ça vient de la part de 3, 4, 5 puissances mondiales. Absolument, tout à fait. C'est le club nucléaire qui fait preuve d'une immense hypocrisie. Merci, monsieur Paul Kiles. Dernière question concernant les élections.
Si vous permettez, avant des dernières questions, je crois que notre nouveau ministre de la Défense, quand vous étiez ministre de la Défense, c'est vous qui voulez faire entrer. C'était ma conseillère au ministre de l'Équipement et au ministère de l'Intérieur, et c'est en plus une amie personnelle. Vous êtes satisfait de cette désignation? Je lui souhaite bonne chance, mais vos élèves quand même. C'est une personnelle que j'aime beaucoup. Voilà. Monsieur Paul Quillès, il y a deux élections présidentielles et législatives en France. Vous êtes satisfait des deux ou non? Trop compliqué. Je ne vais pas vous répondre en quelques phrases. C'est le choix des Français. Macron pour combattre Marine Le Pen. C'était normal. C'était pas question d'avoir un président d'extrême droite en France. Monsieur le législatif, vous ne voulez pas vous exprimer? C'est le résultat de la volonté des Français. Pour l'abstention. C'est épouvantable et ça montre qu'il va falloir réfléchir un peu plus. Au fonctionnement de la démocratie. Et le Parti Socialiste, vous pensez qu'il faut reconstruire le Parti Socialiste ou il faut créer un autre parti? Non, pas créer un autre parti, mais le reconstruire et réfléchir, faire un examen de conscience pour savoir pourquoi toutes ces difficultés et pourquoi ce résultat. 11 juin 1971, François Mitterrand a fondé le Parti Socialiste avec Paul Quillès à Épinay. Et 11 juin 2007, après 36 ans, il a fondé des grands noms, des grandes personnalités, et camarades de François Mitterrand, l'homme d'État, il existe toujours, il est debout, et comme vous pouvez constater, mes amis, il combat pour l'humanité, pour la paix, et on vous remercie, M. Paquet. Merci beaucoup. Merci. Alors ça c'était Monsieur Paul Quillès, et comme vous avez pu constater, pendant peu de temps, il nous a donné plein d'informations assez intéressantes et délicates, surtout comme quoi environ plus de 130 pays ont accepté un désarmement atomique mondial, mais les 5 puissances qui soi-disant gère le monde, qui doit être symbole de bons actes envers la paix mondiale, ils ne signent pas, ils ne sont pas d'accord avec des armements atomiques qui menacent notre planète. Il ne faut pas oublier, c'est un camp qui devient président de n'importe où, surtout c'est le cas actuel. Vous pouvez constater à droite à gauche, il y a des gens qui prend la responsabilité, qui ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire, la responsabilité, ça va être dangereux. Il vient de dire, M. Paul Quillès, 3 bombes atomiques en 1945, actuellement environ 15 500, voilà, bombes atomiques, c'est trop dangereux, il faut faire quelque chose, et on ne sait pas ce qu'on doit faire. Voilà, il faut soutenir les mouvements comme celle de Paul Quillès, Arrêter la bombe. C'était le livre qu'il avait écrit, nouvelle version, il vient de nous dire, qui va être paru prochainement. Mais cet mouvement, initiative pour le désarmement nucléaire, vous avez son site internet, vous pouvez aller le chercher, avoir plus d'informations. Il faut soutenir, surtout il y a des grandes personnalités international, membre de ce mouvement, et jour après jour, il faut faire connaître ce mouvement, et il faut faire des actes, des meetings, des manifestations pour pouvoir arriver au bout de ces idées qui est formidable. Un monde sans bombe atomique. Et maintenant, c'est votre tour, mes chers amis, on va recevoir vos appels. Qu'en pensez-vous concernant tous ces sujets qu'on vient d'évoquer depuis 23 heures jusqu'à maintenant, pendant 35 minutes. Et maintenant, on va vous donner la parole, et vous avez la parole, et on vous écoute. Ici et maintenant, non, ici et maintenant, non, ici et maintenant, non. Ici et maintenant.
ici et maintenant, non, 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 non. J'arrive quand je veux, 95.2, ici et maintenant. Vous écoutez radio, ici et maintenant. Maintenant. Ici et maintenant. 95.2 FM. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.